Bienvenue au studio Rock Moderne pour cette vidéo consacrée à des bandes originales de films et aussi un super unboxing que je vais pas tarder à vous montrer. Mais auparavant, voilà, je vais me mettre ici. Et auparavant, je voulais saluer Waxwork parce que j'avais un petit souci sur ces deux bandes originales que je vous avais déjà présentées. Donc, Killer Clowns from Outer Space et puis Sleepy Hollow, où à chaque fois le second disque était complètement foutu, il y avait vraiment beaucoup de clics et de pop. Et finalement, ils m'ont envoyé donc les deux disques manquants. Voilà, je remercie Matt qui me les a envoyés, donc avec ce petit sticker. Voilà, donc j'ai reçu le second disque des clowns et du Danny Elfman avec. Voilà. Donc je vous les ai déjà présentés, je ne vais pas vous les représenter, mais donc ils sonnent mieux d'ailleurs. Alors je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait eu des défauts de pressage. Je pense que ce sont des chocs dus au transport, à mon avis. Enfin, sur celui des clowns de l'espace, il y avait une griffe, une méchante griffe en fin de plage de face. Et évidemment, pendant 5 minutes, on avait un clic ininterrompu. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Vous l'avez peut-être aperçu déjà. Donc, la bande originale du film Men. Il ne s'agit pas ni de Watchmen ni de The Men. C'est Men, un film donc de 1900. Pardon, de 2022, écrit et réalisé par Alex Garland, qui a fait Annihilation, Ex Machina, et puis Devs, dont je vous avais présenté déjà la BO de chez Invada Records. Voilà, donc, l'actrice Jessie Buckley est donc une femme en vacances dans un village de campagne où elle va être tourmentée par des êtres étranges. Je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spolier tout le film, ce serait dommage. Donc c'est un film un petit peu à suspense, dirons-nous, fantastique, voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire, voilà. Alors évidemment, la musique, oui, bah, j'ai quand même oublié, de Ben Salisbury et Geoff Barrow, hein, toujours sur Invada, je vous ai présenté beaucoup de BO. Qui ont été composés par ces deux musiciens. Et c'est une BO un petit peu mélancolique, un petit peu triste, un petit peu. Voilà, c'est pas très orchestré, c'est pas mal. Bon. Mais bon, moi j'ai trouvé, par goût, j'ai trouvé le film meilleur que la BO, mais enfin, ça c'est une question de goût. Alors, il s'agit d'une édition limitée à 150 exemplaires, évidemment sold out dès que le pré-order a été livré. Voilà, donc tant que c'était en pré-order, c'était disponible. Et puis, dès que ça a été envoyé, ben, petit à petit, ça s'est épuisé. Voilà, on avait effectivement, voilà, tracklist ici et les compositeurs. Alors, c'est un die cut, une version die cut, édition limitée, mais en noir. En noir, alors qu'il y a une autre édition limitée sur le site qui est en couleur. Voilà. Et on a un macaron tout simple. On a du 140 grammes, je pense. Enfin, le disque n'est pas voilé. Il passe bien, qu'il soit en 140 ou en 180. Ça n'a pas d'importance pour l'audio. Ce qui compte, c'est le master et le pressage, la qualité du pressage. Et chez Invada Angleterre, donc, c'est pas mal pressé. Et on a donc pas mal d'artwork. Si j'arrive à retrouver la personne qui l'a faite, voilà. Designed and art sur mesure par Julian Gross. Voilà. Julian Gross qui nous a donc gratifié de ces inserts, de ces artworks qui sont magnifiques. Vous voyez, donc on peut changer en fait le die cut de la pochette comme ça. Voilà. Donc en fait, on a les différents visages des créatures qui tourmentent la jeune femme dans ce village, interprété toutes par le même acteur d'ailleurs.
Alors, find, je vais voir ce que. En fait, il y a tout un rébus, plutôt une charade. Je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, you. On démarre peut-être par le premier. What? Ounce. You will find you. Voilà. Tout est dit. Tout est résumé, voilà. Donc elle se sent menacée par. Je sais pas, enfin, on ne va pas raconter tout le film. J'ai pas vu le film, j'avais vu des extraits. Mais j'ai préféré le film à la BO toute seule. Disons qu'en fait, c'est toujours pareil. Vous avez des BO qui sont inséparables du film. Si vous regardez bon, le film sans musique, ça irait pas, bien sûr. Il faut toujours une musique qui suive l'action du film, et justement, en fonction de l'action du film, eh bien, la BO toute seule passe ou ne passe pas. Voilà. Donc là, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer tout. Non, ça me paraît un peu difficile. Non. Tout le. Je pense pas que ça passe. Il y en a trop. Voilà. What? Alors, you find. Voilà. Ouais, je voulais mettre dans le bon sens. Mais en fait, il y en a trop. Hein. Je peux pas. Je pensais vous. On va le montrer 3 par 3. Alors, on va les montrer comme ça. Pas facile. Voilà. Comment ça se présente? Vous avez déjà les premiers comme ça. On you. Will find you. Voilà, comme ça. C'est pas tellement étudié pour être présenté. De la Maxime. Donc, film d'horreur, film fantastique, voilà. Et avec un die cut, donc c'est assez sympa. Vous pouvez changer l'artwork et évidemment, vous allez avoir différents. Voilà, je vais passer celle-ci, ce sera pas mal. Alors, c'est le même acteur qui interprète les différentes créatures, je crois. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Mettre comme ça aussi. Voilà, vous voyez. Ah, c'est assez sympa. Pour ça, j'aime bien cette édition limitée. Voilà. Voilà, donc vous avez les six différents individus ou créatures qui vont tourmenter la jeune fille dans ce village. Ah, super, hein? Super. Et là, celui-ci, après, on va retourner au. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment une édition limitée. 150 exemplaires, c'était quand même pas beaucoup. Voilà, pour un prix de 20, une trentaine d'euros. Voilà, et là, ça, c'est la couverture définitive. Donc, édition noire. Il vous reste l'édition limitée colorée sur ce site. Voilà, bon film. BO que j'ai moins apprécié, mais Monsieur Vinyl vous en a parlé. Je crois qu'il va vous en parler. Lui, il avait bien apprécié la bande originale. Faut dire que, quand même, Ben Salisbury et Geoff Barrows sont quand même deux bons compositeurs. Faudrait que je la réécoute plusieurs fois, peut-être, pour davantage apprécier. Ensuite, enfin, la sempiternelle édition de Titanic, James Horner, 1997, c'est Cameron qui avait fait, oui, qui avait fait le film de mémoire. Hein, j'ai pas pris de, ouais, James Cameron, ouais, c'est bien ça, qui avait fait le film. Je l'ai en DVD évidemment, je l'avais acheté en CD à l'époque avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Ouais. Qu'on retrouve dans Divergente 1 et 2, si de mémoire,
vers 2014-2015. Alors là, il s'agit d'une troisième ou quatrième réédition chez Music on Vinyl, avec donc 7500. Enfin, ils se sont décidés à faire pas mal de copies. Et j'ai le numéro, donc 2720. Voilà. Titanic, donc James Horner, évidemment, qui nous a quittés. Qui a fait pas mal de BO. Alors, je vous avais présenté quand même, pareil, chez Music on Vinyl. Et ici, on a le petit sticker Music on Vinyl. Back to Titanic, qui était en fait le score étendu. La deuxième partie du score de James Horner, qui ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau au premier. Et justement, je vais un petit peu comparer. Voilà. Voilà, ce ne sont pas les mêmes morceaux. Je vais vérifier. Donc, Back to Titanic, que j'ai presque rincé ce disque. Oh là là, mon Dieu. Que j'ai passé maintes et maintes fois. Je me demande s'il n'est pas meilleur que celui-ci. Je vais réécouter quand même la bande originale. La bande originale, part 1. Et là, on dirait que c'est sérigraphié un peu. Ouais, c'est magnifique. Je pensais qu'on aurait un exemplaire glossy. En fait, on a un exemplaire texturé, sérigraphié, magnifique. Je ne sais pas si toutes les éditions, vous me direz, si toutes les éditions avaient cette qualité, mais vraiment, s'il y a un effet relief, là, c'est stupéfiant. Superbe. Alors, on a pas mal de choses dedans. Voilà, on va tout sortir. On va tout sortir. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors, le disque vinyle numéro 1, avec évidemment fumée Titanic. Voilà, fumée du Titanic. Translucide, 180 grammes. Très joli. Un petit peu marron, marron fumé. Saumon fumé pour les fêtes, si vous voulez. Voilà, un petit avant-goût. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah oui, il y a l'affiche du cinéma, oui, je me souviens, bien sûr. C'est quelle affiche? Parce qu'il y en a eu plusieurs, je voulais être sûr. Ça, sans doute l'affiche américaine. Ouais, Titanic. Voilà. Voilà. Très très beau poster. Très belle affiche cinématographique. Alors c'est moins de 30 euros, ça. C'est 24 euros, je crois. Je l'ai acheté en pré-order, évidemment. Parce qu'après les prix montent, hein, sur Amazon. Vous rendrez compte que dès que ça se vend, hop, ça monte. Et là, on a évidemment oh, un joli livret, dites-moi. Ah non, mais je ne sais pas si toutes les éditions étaient aussi bien soignées, mais ça valait vraiment le coup. Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire qui est archi connue. Parce que voilà, qui n'a pas vu le film, voilà. Écoutez, sinon, allez vous acheter le DVD, regardez-le en streaming, on le trouve partout. Ou un DVD pas cher à 5 euros pour l'avoir un petit peu en stock. Voilà, donc c'était Paramount qui nous avait gratifié de ce, évidemment, la coupure de journal, la première page du journal qui témoigne du naufrage du Titanic en 1912 de mémoire. Hein. Alors je vous rappelle un petit peu, puisque j'ai fait des recherches. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, avant son voyage inaugural, il y a eu un feu dans la cale, dans la chaufferie, hein, donc, dans la cale à charbon de la chaufferie. Donc, il y a eu un incendie. Et finalement, cet incendie n'a été éteint qu'en cours de voyage inaugural. Vous vous rendez compte? Donc, définitivement. Et à ce moment-là, les rivets avaient chauffé. Et quand, évidemment, la cale de la chaufferie a été heurté par l'iceberg, ben ça a explosé complètement. Et ça, bon, il y avait 5 compartiments inondés, mais enfin, celui-ci était vraiment terriblement fissuré. Et donc, ça a précipité le naufrage du navire. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, il n'y avait pas que la vitesse qui avait été responsable de la percussion avec l'iceberg. Voilà, donc magnifique, hein, texturé. Je ne sais pas du tout s'ils sont tous comme ça. Vous me direz, mais ça, vraiment, ça valait le coup. Hein. Dingue pour ça. Voilà, j'enlève tout. Et bientôt. Alors, les plus belles chansons. Bon, merci Wanted Wax Dimitri qui m'avait conseillé ce prix dans sa vidéo sur Amazon. Et je l'ai eu à 8 euros.
Et l'avantage, c'est que vous avez une sélection de chansons tirées des films plus récents et moins récents des premiers Disney, mais en français. C'est ça qui est bien. Alors que les soundtracks sont souvent en anglais. Donc on a Sous l'océan, la petite sirène, l'histoire de la vie, le roi lion, où est la vraie vie, réponse, libérée, délivrée, la reine des neiges, il en faut peu pour être heureux, le livre de la jungle de 1968. Un jour mon prince viendra, Blanche-Neige et les sept nains, quand on prit la bonne étoile, Pinocchio, j'en ai rêvé, la belle au bois dormant, évidemment, et oh, Blanche-Neige et les sept nains, on revient du boulot, tout le monde veut devenir un chat, un cat, les Aristochats de 1971. La Belle et la Bête, évidemment, La Belle et la Bête, Ce rêve bleu, Aladdin de 92, oui, pour les Aristochats, 68, oh, dites-moi, c'est incroyable, 68, nous, on l'a eu en 71, ce film, mais il y avait un sacré décalage. La Belle au bois dormant, c'est 52, Pinocchio, c'est 40, ouais, c'est juste après Bambi, ça. Et La Belle et la Bête, 91, Aladdin, 92. Blanche-Neige, 1937, ma mère l'avait vue au cinéma avant la guerre, elle était toute petite, elle avait 7 ans. Elle a vu en couleur, ça l'avait impressionnée au cinéma à Paris. 1988, La Petite Sirène, Histoire de la vie, le Roi Lion, 94, Réponse, 2010, La Reine des Neiges, 2013. Voilà, donc bah, tout bête, hein, tout très bien pressé. Par contre, ils ont pris la bande-son du film. Hop! Du film en français, donc la bande son, et il y a un remaster qui est pas terrible, hein. Donc ce sont des sons mono. Voilà, le son est un petit peu étouffé, c'est pas aussi bon que les versions remasterisées en anglais des soundtracks complètes. Voilà, ou complet. Alors, ensuite, voilà mon petit unboxing. Voilà, alors je vais vous donner un petit indice, ça vient d'Espagne. Ça vient d'Espagne et on va ouvrir tout ça. J'espère que ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Et vous avez ce superbe petit couvercle. Je crois qu'on a encore un. Ouais, je n'avais pas tout ouvert. Voilà. Ah ben c'est super. Voilà, excusez-moi, ça bouge un peu, non? Alors, voilà comment ça s'est présenté. Hyper bien emballé, parce que, donc, je donne un petit indice. Donc, Dario Alexandre Vainolle, chaîne belge, donc, je ne vais pas dire son prénom, hein, elle veut rester dans l'anonymat, ça le regarde tout à fait. Faut respecter la vie privée des gens, donc. Donc, Dario Alexandre Vainolle, je crois, oui. Oui, c'est lui qui l'a présenté. Parce que souvent, ils achètent avec Wanted Wax. Il vous avait présenté Casper. Donc, aussi. Et donc, cet unboxing que je vais vous ouvrir. Et justement, l'emballage, je laissais un petit peu à désirer. Et là, je vois que c'est hyper bien emballé. Vous voyez. Voilà, vous avez ça. Et vous l'avez ici. Donc, c'est remis dans un emballage coffret. Hyper bien fait. Ouais. Et je l'ai eu en 48 heures. Alors là, c'est le truc commandé dimanche, mardi, vous l'avez. Voilà, vraiment, c'est vraiment du DHL Express. Voilà comment ça s'ouvre à l'intérieur. Voilà. Super. Évidemment, vous l'avez deviné sans doute si vous avez vu déjà sa chaîne. Enfin, cet unboxing sur sa chaîne. Ah. Direction Vinyl, c'est la BO de Rambo en édition limitée. Je crois qu'il y a eu 1000. Je sais plus. Ouais, j'espère que c'est numéroté. Je crois qu'il y a eu 1000 exemplaires. Ça doit être marqué. Donc c'est audiophile, 180 grammes. Remasterisé. Alors Rambo 1, 2 et 3. Donc de Jerry Goldsmith, hein, qui a fait les trois bandes originales, le 1 en 82, le 2 en 85 et le 3 en 87, donc années 80. Voilà, que j'avais pas vu au cinéma à l'époque, j'étais pas trop Sylvester Stallone, donc c'était pas mon truc. Et voici les pochettes des disques vinyles à l'intérieur et le score étendu. Vous avez tout. Donc voilà.
Alors, c'est Quartet Records en Espagne qui, avec Studio Canal, Intrada, parce que c'était sorti sur CD avant. Donc, c'est Quartet qui l'a donc mis sur vinyle. Voilà. Donc, 82, 85, 88, en fait. Hein, je disais 80, 82, 85, 87, c'est 88, la BO du 3. Voilà. Donc, les droits sont à Studio Canal. Voilà. Donc, le premier Rambo s'appelle First Blood, le deuxième First Blood Part 2 et Rambo 3. Voilà, il avait fait Rocky dans les années 70. Voilà, et donc, c'était. Alors, il incarne un ancien vétéran du Vietnam. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Là aussi, c'est hyper connu, décidément. Je vous présente un petit peu des lieux. Des lieux communs, mais ça a été pressé pour la première fois en vinyle, en score étendu, parce qu'évidemment on trouve abondamment des tas de j'essaye de garder le blister, on va voir si j'y arrive, parce que parfois, ouais, alors donc je finis quand même ma phrase, ça a été donc pressé à maintes reprises dans différentes éditions, mais jamais avec tout le score. Et là, vous avez le score étendu. Alors, j'étais pas particulièrement fan du film, ni de la BO d'ailleurs. Hein. Très orchestral, très. Voilà, très. Enfin, pour un film d'action, c'est une BO là aussi qui suit l'action du film. Hein. Donc, voilà, il faut presque écouter la bande originale avec. Voilà. Avec le film. Voilà. Donc, remasterisé par Chris Malone. Bon, donc, la trilogie. Voilà, on y est arrivé. Donc, voici. Donc, ouvert, j'ai pu sauver le blister avec le sticker. Voilà, à l'intérieur. Hop, on va mettre tout ça là. On va enlever, évidemment, ça, parce que ça peut être dangereux. Voilà. Et à l'intérieur, donc, ça se présente comme ceci. Magnifique, avec un petit liseré pour voilà pour sortir le tout. Ça, c'est très appréciable. Ça évite de re tout retourner, comme ça m'est arrivé à maintes reprises. Et donc, vous avez un fond de box pareil, noir, très bien soigné, pas de bavure, pas de rien, pas de scories, de petites choses, de poussière, de traces de fabrication. Voilà, c'est assez appréciable. Très soigné, Quartet Records. Alors, la Vinyl Collection avec je regarde un petit peu, je découvre un petit peu avec vous. Donc, voilà, donc vous avez les photos qui reprend un petit peu les pochettes d'origine parce que les pochettes originales sont différentes de celles-ci. Voilà. Enfin, Direction Vinyl, vous avez fait des tas de vidéos sur les versions originales de Rambo. Je vous invite à vous rendre sur cette chaîne. Voilà, et là, vous avez toute l'histoire donc de ce vétéran de la guerre du Vietnam, surtout qu'à l'époque on n'était qu'à 10 ans, la fin de la guerre du Vietnam. Donc First Blood, voilà, premier sang. Bon là c'est du satiné, il n'y a pas de texture particulière, assez simple. Bon, il pouvait même pas mettre un gatefold à l'intérieur. Voilà. National Philharmonic Orchestra, voilà, très très très, c'est ce que j'allais dire, c'est très très bien orchestré, évidemment, comme le dit, mais vraiment c'est philharmonique, quoi, c'est vraiment un vrai orchestre, hein. C'est pas, il n'y a pas de synthétiseur, ce sont des instruments classiques, hein, il me semble. Voilà. Je découvre un petit peu avec vous tout ça. Et là, on a une édition. Alors, par contre, là, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment du 180 grammes. Translucide. Bleu marine. Translucide. Voilà. Très joli. Apparemment, les pressages sont bons. Chez Quartet, j'ai jamais eu de soucis. Si ce n'est sur un disque, je ne me souviens plus lequel. J'avais eu quelques pops sur le deuxième disque. Je me souviens. Ou quelques bruits de surface. Ça peut arriver. Le problème, c'est ça avec les petits labels. Avec les majors. Des fois, vous avez un problème de remaster avec les majors, de mastering qui n'est pas forcément très bon, mais le pressage est toujours excellent, que ce soit en 180 ou 140 grammes. En principe, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions. Par contre, pour les petits labels, là, je serai moins catégorique et il peut y avoir donc
pas des malfaçons, mais oui, c'est ça. Bon, là, par contre, c'est un gatefold. Voilà, on nous a gratifié pour le First Blood Part 2 de 85, donc l'autre était de 82. Oh, et c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà, tracklist. Pour ceux que ça intéresse. Et évidemment, l'intérieur magnifique. Tac, voilà. Vraiment, on est dans le vif du sujet. Évidemment, le rouge s'imposait, bleu, rouge. Voilà. Et je ne sais pas si les macarons sont identiques ou pas. Je vais voir. Je vais voir. Il n'y a pas d'autre liner à l'intérieur. Oui. Peut-être pas. Si. Il me semble que ce n'est pas le même rouge. C'est curieux ça. On va vérifier. Si, 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 c'est bon. C'est une question d'éclairage. Non, c'est le même macaron. Enfin, je vous le remontre. Voilà. Mais on voit que c'est quand même du lourd au point de vue poids. Donc, je vous remontre la tracklist. Et ensuite, le Rambo 3 de 87 et BO 2, qui est aussi un gatefold. BO de 1988. Toujours Jerry Goldsmith. Toujours. Je ne vais pas vous dire toute la distribution. Hein. C'est vrai. Moi, je pense que c'est toujours le National. Ouais. Là, il y a une chanson de Frank Stallone, Peace in Your Life, enfin un morceau. Voilà, il y a eu Frank Stallone, Peter Schless et Jerry Goldsmith sur celui-ci, donc sur le deuxième. Et là, on a eu. Donc là, c'est le Hungaria, c'est en Hongrie, Hungarian State Opera Orchestra. Voilà. Donc sur celui-ci. Sur le 3 de 88. Voilà. Tracklist. Voilà. Oh, c'est très, très, très bien fait, très bien soigné. Bon, évidemment, ils n'allaient pas rajouter, puisqu'on a un petit livret. Voilà, toujours bien ouvrir. Alors, ça, je ne sais pas si je voulais montrer l'intérieur quand même. Voilà, vous voyez, c'est assez beau. Ceux qui connaissent le film reconnaîtront les passages. Voilà. Reconnaîtront les passages. Et là, il s'agit d'une édition, voilà, j'allais dire verre armé un petit peu. Voilà, treillis. Camouflage, mais translucide, transparent, c'est assez sympa. Et qui rend bien quand même à la vidéo, hein, je vois. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, le deuxième doit être pareil. Marqué. Ouais, ça fait déjà 28 minutes finalement cette petite vidéo, mais ça prend du temps quand on veut tout montrer. Voilà. Un petit peu plus clair quand même hein, dans la réalité, dès que c'est éclairé. Ça tire sur le doré un petit peu, voilà, légèrement doré. Là, on le voit plus mat. En fait, voilà, c'est plus. J'aurais aimé vous le montrer un petit peu plus comme ça. Voilà, là, vous voyez, voilà, comme ça, on le voit. C'est plus transparent, plus doré. Voilà, très belle édition. Très belle édition avec des frais de port de 20 euros, hein, une vingtaine d'euros. Alors évidemment, on peut commander d'autres choses, mais enfin, après, ça va finir par faire cher. Voilà. Voilà, c'est quand même un coffret qui dépasse les 100 euros pour 3 vinyles, mais il y a 5 disques. Voilà. Et puis, c'est une première édition des scores, des 3 scores étendus. Voilà, donc bah, ma prochaine vidéo. Ce sera sur des nouveautés comme ceci. Voilà, vite fait. Enfin, je ne vais pas vous les montrer. Il y aura certaines choses. Voilà. Bon, déjà, voilà tout ça. Et puis, ici aussi, celui-ci, hein, que j'ai eu du mal à les avoir, ces disques, hein, de toute façon. Ça devient de pire en pire.
C'est un petit peu décourageant aussi de voir le mal qu'on a à se les procurer. Ça devient fou. C'est des pré-orders, c'est déjà sold out avant que le pré-order soit honoré, puis c'est annulé, c'est retardé. Enfin, c'est pas facile du tout. À part celui-ci, mais par exemple le Darius, là, ça a été quoi la manière pour l'avoir. Enfin bon, etc. Et ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Vidéo nouveauté. Il y aura donc deux vidéos, peut-être en deux parties. Nouveauté disque neuf. Et puis, il y aura une vidéo disque d'occasion de chez recordsale.de. Mais j'attendais d'achever mon nettoyage parce qu'ils étaient assez sales, bien que n'étant pas rayés. Mais ils étaient assez sales. J'ai l'impression que chez Recordsale, les prix ont augmenté, l'état des disques, la propreté des disques laisse de plus en plus à désirer. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à poster vos commentaires, à laisser un pouce bleu évidemment et à partager la vidéo. Voilà. Et on m'a demandé souvent un live, donc bah, je commence à m'y préparer parce qu'il faut quand même le préparer ce live, faut pas être tout bête, pas savoir quoi dire, faut savoir animer pendant plusieurs heures la chaîne. Voilà, salut, à bientôt.